Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 4e sortie journal de la 69 là pour semaine ça. Rapidement, je vais me présenter nous ensemble pour un qui a dominé l'actualité. Association Industrie Haïti a dit condamné avec force yo et ça quand violence qui fait contre usine parc industriel métropolitain à Kasaka sur route aéroport depuis les négociations avec le conseil supérieur salaire pour adoption salaire minimum non jusqu'à mise en application arrêté qui fixe salaire si là d'après publication dans journal officiel Le Moniteur. Association journaliste reporter image en condamné ça qui a fait la ça qui fait sous plusieurs journalistes en un moment où t'as pas couvri manifestation ouvrier à mercredi 23 février 2021. Ça qui la cause un journaliste mort qui c'est Lazare Maximien avec plusieurs autres blessés. Joseph Michaud, un membre dans association indigné sur ça qui passé. Famille journaliste là qui était présent dans conférence ça mandé justice pour journaliste là parce que c'est pas à examiner mais c'est dans fonction travail policier a tiré il demande justice pour Lazare Maximien et puis faire connaître tout crime ça pas prêté. Secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste la RDNP Éric Jean-Baptiste voyez sympathie by famille victime tant que Jacques Faubert Etienne 4 BRH là côté l'état arrêté bras croisés pendant les déplorés et puis condamné avec énergie assassinat journaliste Lazare Maximien sans oublier le deux journalistes victimes dans la boule 12 pendant les exiger l'état haïtien mener une enquête pour justice arriver rend la fois ça parce que la presse c'est ensemble pour ça qu'on a l'autre amis téléspectateurs qui pourraient le développer, qui étaient branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branché chez mes téléspectateurs, mais développement journal là. Association Industrie Haïti a dit condamné avec force sans acte violence qui fait contre usine parc industriel métropolitaine à Kasaka sur route aéroport depuis les négociations avec le conseil supérieur salaire pour adoption salaire minimum jusqu'à mise en application arrêté qui fixait salaire si là d'après publication dans journal officiel Le Moniteur. L'autre bord président Adien Willem Lemke annoncé non note pour la presse et izin sa yo a fermé porte yo a parti jeudi 24 février 2021 dans l'idée pour protéger ouvriers ak équipement yo pendant li fè konnen li comprendre utilité mouvement ouvrier yo et puis espérer activité yo a reprendre dans plus bref délai. Bassoche leur firme condamné ak toute force li comportement baba policier yo qui était là pour accompagner manifestants yo et puis annoncer li metel disponible pour accompagner tout journaliste ak ouvrier qui victime nan dernier manifestation qui fait a mercredi nan Carrefour Ayoupo et puis qualifié zak sa de yon scandale. Iswi Katerofin responsable Bassoche leur film nan ta pa fè annonce si pour ça nan yon conférence pour la presse li bay jeudi a invite suivre pour plus de détails nan micro René Aristen et puis Kevin Loriston. Nous même comme avocat, nous te mettons nous disponibles. Hier, nous te déplacé pour nous aller dans Benameuse. Côté que nous te gagné avec nos juges de paix, Raphaël, qui te fait l'accompagner des greffiers, eh bien, nous te procédé à constat légal de yon confrère, yon zami, qui toujours avec nous dans la bataille pour yon l'autre l'État, pour changement système, qui se journaliste, Lazare, qui tombait en bas balle policier bandit qui était dans backup pour la police. Nous condamné à ça avec toute force nous et nous mettons nous disponibles et disposés pour nous accompagner famille Lazare pour que yo joigne justice et nous révolter par rapport avec un acte aussi crapulé. Nous mettons nous disponibles et disposés pour nous accompagner journalistes et Alvales destinés que la police dilapidée en bas de roche côté que la police voit soin dans l'hôpital Jeunet Jotia. Nous mettons nous disponibles pour nous accompagner Laurent Sony qui a travaillé pour Zin et Journal News qui recevait une balle dans Ponyette
Gauchede, qui sont une tentative d'assassinat avec commencement d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code pénal haïtien. Et c'est sous base ça, nous croyons qu'il y a une nécessité pour que la société apporte coller dans la bataille pour justice, dans la bataille contre l'impunité dans le pays. Il y a un autre journaliste qui tombé en bas balle et qui recevait une balle dans la cuisse droite, qui c'est Yves Moïse Ducé, un journaliste qui travaille pour Radio Vision et Radio RCHD 1000, qui actuellement là et était dans salle opération et que nous avons procédé à constater galé et nous déjà réclamé et certificat médical pour que nous capable compiler les dossiers pour que nous saisir la juridiction répressive à l'encontre des malfrats. Gagnien Gétine, qui c'est un ouvrier qui recevait des balles dans chaque pied, il recevait une balle et actuellement là qui sous cabane l'hôpital la recevait soin et yo identifié c'est un backup police qui gagnait des policiers en uniforme qui tirait à bon portant sur journaliste yo, qui tirait sur ouvrier ouvrière, qui tirait sur maman yo, qui tirait sur frère yo, qui tirait sur sœur yo, parce que policier yo c'est dans ghetto yo habité, policier yo c'est on même son salaire misère y a touché et journée jodi a yo tourné esclave y a pral tirer sur propre frère ak sœur yo. Nous condamner comportement ça et c'est pour raison ça Bazoch Lofim et organisation Nous c'est d'Orval déjà préparer une sommation pour que les décerner avec la police pour yo identifier tout policier qui était là pour accompagner ouvriers ouvrières yo dans revendication yo et qui exerçait des actes assassinat, actes représailles, tentatives d'assassinat, association des malfaiteurs à l'encontre des journalistes, à l'encontre des ouvriers et ouvrières. Secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste RDNP Eric Jean-Baptiste parlait sous conjoncti pays à côté insécurité sous toute forme qui c'est celle préoccupation population pas jamais suspendre valer terrain et puis profiter voyer sympathie bay famille victime yo tant que Jacques Faubert Etienne 4 BRH là côté l'état arrêté bras croisés pendant les déplorer et puis condamné avec énergie assassinat journaliste Lazare Maximilien sans oublier de l'autre journaliste victime dans la boule du jour pendant exiger l'état haïtien mener une enquête pour justice arriver une fois ça parce que la presse menace. En supplice détail dans micro Nelika Alexis et puis Kevin Perville. D'abord question qui préoccupe tout peuple haïtien. Nous voulons parler de insécurité. Qu'il s'agisse de insécurité routière, insécurité alimentaire, zak terrorisme, zak kidnapping, yo tout net yo en rouge, y a monté le ciel dans pays a tellement li monté tête nèg dans pays ici. Nous voulons pendant n'a parler de question insécurité a pour nous profiter, pour nous voyer sympathie nous. By famille Jacques Faubert Etienne cadre, qui c'est un cadre dans BRH, nous connaît qui mourit assassiné pendant qu'il a fait tentative kidnapping sous lit. Nous constatons que Jacques terrorisme a continué dans le pays et l'État a été bras croisé devant la population qui lui-même chaque jour c'est de l'eau langée, côté que chaque jour c'est un pile sang qui a coulé dans une zone tant que Matissan, Croix des Bouquets, à un pile côté dans le pays. Nous déplorons l'assassinat journaliste Lazare
Maxi Ben, qui lui-même c'est troisième journaliste sous 7 mois PM Ariel là, dans 2 premiers mois l'année, ça fait 3e journaliste qui mourit. Et n'a posé tête nos questions, combien finalement qui pral tomber au cours de l'année ça, si nous calculons qu'en moyenne, nous déjà à 1,5 par mois pour l'année, et sous règne PM Ariel là, nous grandons sur 3, parce que nous pas oublié Wilgens Louis Saint, ensemble avec Amadi John Wesley. Nous voyons sympathie nous by famille Lazare Maxi Ben, et en même temps n'a condamné de manière énergique Zaksa qui pa gen anken nom. N'a exigé de l'État haïtien pour que yo mène une enquête sérieuse et pour que justice capable foi ça réussiront. Nous connaissons très bien que, pas besoin de rappeler nous, depuis sous Jean-Dominique, en passant par tout l'autre, qu'on qui quantité de journalistes, Diego Charles, Neti, qui quantité que nous avons perdu, qui jusqu'à maintenant, l'enquête se poursuit, sans compter attaque qui fait dans l'ANESA sous radio, donc radio Zénith, qui donc la presse menacé. Une autre fois, secrétaire DNPA Eric Jean-Baptiste a parlé sur secteur textile là et puis by position sur concept salaire minimum ouvrier yo utilisé pour faire réclamation yo pendant les annoncés RDNP a travail pour arriver dans concept salaire fiable et puis pour que l'argent moun yo a pas touché yo capable permettre yo vivre convenablement avec toute famille yo. Plus détails toujours dans micro Nelika Alexis et Pierre-Yves Perville. Question salaire minimum. Nous connaissons que le secteur textile là, qui lui-même baille à peu près entre 50 et 55 000 jobs, qui représente 90% de l'exportation, c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Son secteur, son industrie, c'est-à-dire qu'il y a un pied léger. Mais c'est une industrie tout que c'est une industrie de tremplin, qui est en transit. Pas dans aucun pays sous la terre qui basé développement sous secteur ça. Qu'il s'agit de voisins non, la République dominicaine qui tout près à là, qu'il s'agit de Taïwan ou Bangladesh ou plein d'autres pays, yo même Vietnam, yo même yo utiliser secteur ça comme un passage pour yo capable arriver vers infrastructure, vers agriculture, vers tourisme, vers service en dans économie. Malheureusement, secteur ça a gagné pied léger, nous constatons que pas capable de gagner le juste milieu que qui c'est rôle l'État capable jouer qui pour permettre que patron yo qui besoin ouvrier yo, ouvrier yo qui besoin patron yo capable joindre terrain d'entente là qui capable permettre que yo avancer ensemble. Nous-mêmes dans RDNP, on toujours dit ça. Concept salaire minimum non, nous pas d'accord avec lui. Nous-mêmes dans RDNP, n'a travail pour nous arriver à concept salaire viable. Salaire viable, il veut dire qui ça? Il veut dire que l'argent que mon a touché pour travail que y a fait, il doit permettre que mon capable de vivre convenablement, capable de prendre soin de famille, capable de payer l'école petite, capable de manger, capable de payer le loyer Kaili convenablement. C'est de ça nous-mêmes nous travaillons dans RDNP parce que salaire minimum dans quel que soit le pays ne permet pas que les gens soient capables de vivre convenablement.
L'association Média en ligne yo ba yon conférence pour la presse jeudi 24 février 2022 pour demander justice pour journaliste Laza Maxilien qui mouri en babal la police ayé mercredi nan manifestation ouvrier yo. Nan occasion sa Romano Meius qui CDG radio la wa FM nan gros mot nan côté journaliste la te correspondant mande fòk gen yon enquête qui fait nan IGPNH sur assassinat sa. Plus d'état nan micro Gedi Bartelmi et puis Price Blanfort. Laza Maxibel. Monsieur c'est reporter la WA FM, yon radio qui nan commune Gomon. Radio ça, li gon média en ligne qui rele WA des infos. Jodi a nan quatre travail monsieur tombé. Ça fait nous mal. Moi vinn là pour mande justice pour Laza Maxibel. Monsieur patron bandi. Moi crois que Code du travail la bay nan article 169 ouvriers yo lè que gen inflation à plus de 10% et plus kounye la nan 24% que la loi trace condition pou yo ajuster salaire minimum ouvriers yo et nou vraiment déploré sa fèt la Laza Maxibel pa mérité ça li se yon journaliste li pa choisi kembe zam. Ce n'est pas munition d'avoir acheté. Je pense que la police qui l'a comme un protecteur, elle est là pour le protéger et servir. Je ne dis à nous-mêmes, en dehors de cela, ce n'est pas ça que nous attendons de la police. Nous avons demandé au chef de la police, rapide, pour lui ouvrir une enquête sur l'assassinat de Laza Maxibel. Et nous avons gagné l'autre confrère encore qui est victime. C'est Sony. L'or, nous gagnons Yves Moïse. Ce n'est pas parent pour aller prendre soin. Yo, parce que vous êtes sorti bien dans le cadre de travail. Nous avons demandé la police, pressé. Nous-mêmes, en dans les médias, la WA FM, que même m'a dirigé, nous avons besoin rapide une réponse par rapport à la situation arrivée hier. Là. C'est mes téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous observer deuxième pause noire, arrêtez branché, pas déplacé. Merci, lorsque toujours été branché, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Du club Benissoir qui se coordonnateur, mouvement ouvrier transporteur haïtien, pote solidarité li ak mobilisation ouvrier yo a fait devant Sonapi pour exiger 1500 gouttes comme salaire minimum, d'après li qui pas même répondre ak besoin protestataire yo. Et puis sou ni lié, yo dépense plus à passer 1500 gouttes pendant yon journée. Dans l'occasion de ça, le coordonnateur a profité pour la solidarité à la famille journaliste Laza Maxilien, côté de l'État, à la DGPNH la prend responsabilité parce que sans journaliste là, à la revendication ouvrier yo pas passé en papier. Du club Benissoir, c'est dans le micro, Gadi Bartelmi et puis Price Blanfort. Tout d'abord, solidarité à secteur syndical, qui depuis deux semaines a manifesté parce qu'il a besoin d'ajuster le salaire. Yo. Qui trop bas. Demandé un minimum de 1500 gourdes. Malheureusement, dans plus de l'endroit qui fait, et depuis au début, la police a commencé à bailler gaz lacrymogène et nous avons des policiers IDMO qui, avec des armes automatiques, full automatiques dans le meilleur, qui ont braqué sur le monde. Et je vous dis, qui fait ZAP que vous faites hier. Maintenant, tout dit, salaire minimum de 1500 gourdes, nous demandé et vous avez aussi 185 gourdes. Le accepter 1500 et 685 gouttes, ça veut dire que si non, nous prenons un petit détail, nous avons besoin de 515 gouttes en plus pour nous mettre. Alors, ouvrir, je vais vous donner un exemple. En disant ouvrir sur la galerie, dans ma tête, il faut manger 250 gouttes. 250 gouttes, il mange. Il dit, dans même 250 gouttes, il dit, bon, transport, je vais payer 100 gouttes pour transport. Il y a plus. Nous prenons 100 gouttes. Petite libre à l'école, il faut le ballon 50 gouttes. Nous disons, on dit, nous disons, on dit, il faut le ballon 50 gouttes. Et
faut la timon manger tout. On dit faut balsan goût. L'aime prendre tout ça. Faut le manger à midi. Faut timon manger à midi tout. Faut le manger après-midi, la cala va faire manger. L'aime prendre tout mettre ensemble, mettre timon temps sous lit, les bam 1200 goud. Tandis que mon yo bali kounya 685 goud. Ça veut dire son monde qui a besoin 515 goud en plus à partir de petit calcul moyen pour ta roumer quelqu'un. Ça veut dire côté pour faire ça, c'est pour la bretelle ou son monde divine pipo. Mais non, 650 goud là, il pas représenter rien, c'est un monde qui travaille 8 heures de temps. 8 heures de temps, ça veut dire c'est 0,74 centimes que lié par heure. 0,74 par heure. Ça fait 5,95 par jour. Pas gain qu'un pays dans zone là. Nous dit LB que jusqu'à présent, depuis l'heure de monter, nous disons qu'on a fait travail. Mais depuis lorsque la police commence à tirer sur l'ouvrier, il n'y a pas aucun mesure. Je ne dis pas, mais c'est journaliste qui est victime de lui. Nous disons, nous-mêmes qui sommes dans le syndicat de transport, non seulement nous portons solidarité nous avec eux et nous prêts pour nous accompagner dans tout ce qu'ils ont fait. Depuis la fête mien, pour nous capables de faire justice, parce que nous disons, comme le coordonnateur a se dit, c'est le dernier journaliste qui est victime en bas de la police comme ça. Parce que nous ne pouvons pas créer la police pour faire tout et tirer sur nous. Nous créons la police pour mettre l'ordre dans le pays. C'est juste que nous avons deux ordres. Nous avons la frontière là, depuis deux mois. Nous ne pouvons pas traverser. Depuis juin, nous ne pouvons pas traverser Matissan. Tout le monde, normalement, va payer 1000 dollars pour passer par le monde. Va payer 1000 dollars américains pour passer par la mer. Pour aller à Carrefour. Nous n'avons pas une solution qui porte. Nous disons, France LB, est-ce que ce travail, même pour voir Jovenel Lalavin continuer? Maître Anne-Rémy, bon côté par l'annoncé bloc avocat pour déposer une plainte dans le cabinet d'instruction dans IGPNH, dans l'objectif pour PNH à identifier Bakop qui était tiré sur journaliste là pour lui comparaître devant la justice. Pour ça, Maître Anne-Rémy m'a décommé ce gouvernement, pas dormi sous dossier ça. N'invite pas suivre les détails dans le micro, Gedi Bartelmi et puis Price Blanfort. Nous même nous vîmes là non seulement pour nous condamner cette fête là et pour nous dire que ces cabinets d'avocats nous constitué pour famille et pour journalistes avec ouvriers, mais rapidement nous allons déposer une plainte cabinet d'instruction. L'un fin déposer plainte cabinet d'instruction, n'a déposé li pour assassinat et tentative d'assassinat. C'est très important. Après ça, nous allons aller dans le niveau IGPNH. Nous pourrons déposer une autre plainte à l'inspection générale. Même l'inspection générale a initié une enquête. Mais cependant, nous-mêmes, comme plaignants, nous-mêmes, comme parti, il faut que nous posions un acte. Et nous avons dit au commissaire gouvernement, Jacques Lafontaine, pour prendre responsabilité dans le cadre de dossier. C'est vrai, les policiers ne sont pas touchés. C'est vrai, ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais nous-mêmes, comme avocats, nous ne pouvons jamais accepter que des ouvriers, des ouvrières, des syndicalistes qui ont manifesté, tant que du Claudie là, qui ont demandé de meilleures conditions de travail pour les policiers après les armes pour tirer sur eux. Écoutez, dans la manifestation hier, moi constaté que les gens ont fait bois, les journalistes ont fait téléphone, journalistes, Maxime n'a pas de bon kalachnikov, Maxime n'a pas de bon 9 mm, Maxime n'a pas de bon zam menaçant, Maxime n'était pas menaçant. Il n'y a pas de vie en danger. Et comportement, ça, son comportement qui, son racisme de 100 fois. Maxime a été tué de 100 fois. Et pas exprès, pas aucun exprès là. Parce que là, nous-mêmes, nous avons fait constat hier. Nous avons regardé dans quel niveau Maxime prend une cartouche là. Si on t'a tiré, on t'a tiré en l'air peut-être pour épargner fou là. Et même là, ça, il n'est pas supposé tirer parce que pas de menace. Maxime prend une balle bokel. Bokel. Elle dit, le on moun recevoir un 4 dans niveau ça, ou est que son monde qui t'a fait un bagage tranquillement. Et bal la pas même sorti, même lui, tout était logé en dehors, Maxime. Et situation ça, li grave. 2022, pour journalistes, y a traité comme ça. Nous-mêmes, nous prenons l'agir avec la dernière rigueur. Et nous avons tout dit, c'est la dernière fois pour journalistes à victime. Ariel Henry. Ou ce chef CSPN, DGLB, ou ce chef la police. Moun qui est responsable Zak sa, moun sont supposé révoquer sur le champ. Dans le cas contraire, c'est moun son apio, c'est tout
pays a pas levé campé et leur sort pas leur colère populaire. Famille journaliste là qui était présent dans la conférence a demandé justice pour journaliste là parce que c'est pas exam l'été mais c'est en fonction travail policier a tiré. Il demande justice pour l'exam maxilien et puis faire connaître tout crime ça pas prêté impuni. On suivi yo une après l'autre dans micro Gadi Barthelmy et puis Presse Blanfort. C'est Bernard Jalixen qui c'est cousin Maxiben Desplat. Nous indignés, Maxiben Lazare, qui c'est petit garçon Manis Desplat, petit adoptif Manis Desplat, et qui c'est un jeune de 22 ans, un jeune journaliste, nous-mêmes qui choisit résigner nous, rester dans le pays hein, pour nous vivre, pour nous vaquer avec l'occupation. Nous. Je dis, hein, nous sommes victimes. Nous victimes déjà, nous victimes de plusieurs incidents. Nous quittons Kainou, Kouadebouke, nous pas carré de Kouadebouke. Nous quittons en pile zone qui est difficile. Nous parfois nous obligés à vaquer avec l'occupation avec un pile difficulté. Mais je ne dis pas, Lazar Maxiben qui a vaqué avec l'occupation et qui a exercé métier li, en tant que journaliste, je ne dis pas, les victimes. Lazar Maxiben a travaillé dans la radio La Roi FM qui est Gomon et lycée animateur culturel aussi, lycée reporter. Dans les médias en ligne qui c'est RDI. Je ne dis pas, qui ça nous demande? Nous demande que le commissaire du gouvernement, nous demande que le chef de la police, là, nous demande que l'IGPNH prenne responsabilité. Yo. Nous demande Ariel Henry, qui est premier ministre paysan, qui a dirigé toute une population. Il y a 22 ans. Il y a peine bon bébé, c'est moi. C'est un jeune homme qui est très calme, qui n'a pas qu'on a rien avec nous. Maxiben, c'est mon tout le monde. On va comprendre pour un jeune journaliste comme ça, soit disant, une institution qui t'a décrété. PNH a posé scellé sur le monde comme ça. Individu, ça a supposé relayer la justice. Pour avoir une compréhension de ça au faire parce que Maxiben pas un individu il pas un chimère si y a besoin fond bagaille yo pour aller dans 400 maozo yo pour aller matissan pour y a faire ça à faire c'est injustice nous même nous besoin justice c'est ça m'a demandé c'est pour jeunes journalistes yo journée jodia c'est pour jeunes justice yo et ça va passer comme ça Maxiben supposé joindre justice li jodia. En campé dénoncé façon étudiant université l'état yo a mal fonctionné dans faculté yo. Pour ça, yo mandé rectorat à répondre à revendication yo te fait depuis 17 janvier a qui pa jam abouti. Jackson Louis Socrate qui se porte-parole en campé mandé rectorat bon gens accompagnement en dans université a surtout les rete dormi dans faculté yo. Étudiant yo ba rectorat délai 2 semaines pour répondre yo sinon y a occupé béton. En tout plaisir ta toujours dans micro Gadi Barthelmy et puis Presse Blanfort. Nous passons savoir en date 17 janvier 2022, rectorat Université d'État d'Haïti te mette en circulaire de yon, kote yon te mande à secrétariat généraux ensemble faculté yon, pour faire une joindre li, lis moun, lis étudiant qui concerné par problème qui m'a parlé là. Mais jodi a nous 24 février, nous constate pas rien qui fait. Au point que si nous même qui la, comme membre la presse, passe yon nuit, dans la faculté de droit et sciences économiques ou bien dans la faculté de médecine et de pharmacie, n'a pas ces catastrophes. J'ai étudié à passer nuit. Et mais c'est peut-être ça nous-mêmes, en dans un campé qui regroupe toute entité dans l'IEH, qui vient là-dedans tout des universités privées, mélangées à organisations populaires, matin, jeudi 24 février, nous voulons réinterpeller ou bien interpeller. Rectorat de l'Université d'État d'Haïti sous question. Parce que nous constatons, 17 janvier à 24 février, qui fait plus passer un mois, pas aucune suite qui fait. Rectorat, il connaît très bien. Étudiants, ça, on a parlé, à côté, en majeure partie, c'est dans la province. En pile, on a sorti dans la zone qui nous est les zones de non-droit aujourd'hui. Pas vrai? Matissan, Kouadebouke, Belè et Latrier.
Et bien, le rectorat n'est pas forcément obligé d'attendre. C'est le secrétariat général qui pour acheminer liste la palais. Parce que étudiants ça ont des données dans le rectorat. Si le rectorat veut agir, il est capable d'agir. Choix pour les étudiants dans le pays, c'est un choix difficile. Difficile dans le sens que pas gagner condition d'études, pas gagner aucun accompagnement aux étudiants. On a étudié difficilement et qu'on a vienne joindre par rapport nous pas qu'à traverser Matissan, nous pas qu'à traverser quoi des bouquets, nous obligé passer nuit nous dans faculté monsieur Palio, tant que médecine, faculté droit afin que nous pas perdre cours, afin que pour nous capable boucler à cycle d'études nous déjà commencé. Et mais je dis m'penser son devoir impérieux que rectorat a gagné vis-à-vis des étudiants ça pour lui joindre une formule ne serait-ce que pour héberger étudiants ça le soir. Nous pas dit pour comme si pour prendre et net non pour prendre chaos net non ne serait-ce que pour joindre petit morceau dormir parce que c'est pas normal pour t'apparaître dans la faculté de droit pour nous même journalistes là regarder là n'a pour étudiants aussi deux trois chaises pour mettre ensemble parce que six pieds en balle c'est pas normal en plein 21e siècle déjà pas de conditions d'études puis c'est comme ça n'a passé le nous commencez-vous à reposer pour nous bien réfléchir. Nous, bande de rectorat, pour agir sur la question. Et nous-mêmes, à travers un campé, nous avons un rectorat en ultimatum de 2 semaines pour agir. Parce qu'il y a déjà un mois de protection de son circulaire, plus pas son mois, 17 janvier, 24 février, et bien nous n'avons pas rien qui fait sur la question. Et bien si, après 2 semaines, nous n'avons pas aucune avancée qui fait, nous-mêmes, nous avons obligé de fouler le béton pour nous aller devant le rectorat pour nous dire c'est trop pas tôt, étudiant, c'est monde, étudiant, pas qu'à continuer à étudier dans mauvaises conditions et puis pour y passer le micro. Vous avez téléspectateurs, c'est mon troisième pause là. Été branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés amis téléspectateurs, mais reste information. Association journaliste reporter image a condamné cette violence qui fait sous plusieurs journalistes dans le moment où tap a couvri manifestation ouvrier à mercredi 23 février 2022. Ça qui la cause un journaliste mourir qui c'est Lazar Maxilien a capillé l'autre blessé. Joseph Michaud, une membre de l'association indignée sous ça qui passait là pendant le profiter ban nous plus explication dans microphone d'une Pierre et puis Prize Blanfort. Nous saluons tout le monde bien que c'est avec l'âme aux yeux, jodi a n'a parlé avec grand public là. Non pas c'est Joseph Michaud, un membre dans association journaliste reporter d'image dans le pays a. Nous condamné à toute force nous. Et ça fait mal. Les noue la police comportée envers journalistes qui ont fait un travail qui est noble dans le pays d'Haïti. Tout le monde connaît, ouvriers et ouvriers, ont annoncé 3 journées de manifestation, sorties mercredi 23 février 2022, jeudi et vendredi. Eh bien, pendant la manifestation, ça a déroulé pacifiquement. Eh bien, tout journaliste, qui journaliste dans les médias traditionnels, qui journaliste dans les médias en ligne, ils ont décidé de venir couvrir la manifestation. Eh bien, nous saisissons la réaction de la police envers les journalistes qui ont couvert la manifestation. Manifestation a déroulé pendant toute journée. La police décide de bailler gaz. La police décide de tirer. Ils tirent à hauteur d'homme. 3 journalistes, réseaux sociaux, victimes. Nous avons Lazar qui prend balle dans le cœur. Dans le cœur, oui. Ça veut dire, nous avons demandé est-ce que son problème
directement policier ça te gagné avec journaliste ou à des informations qui relè Lazare pour ba un bal nan cœur côté pour le pas vivre un jeune garçon qui plein avenir. Comment nous senti nous jodi a journaliste ça lui même l'a glacé l'en mort et puis nous même policier nous continuer à vivre et pas faire mon ni t'a volé. C'est pas bandi lié. C'est pas tort li t'a fait avec nation haïtienne là. Moi me connais que yon policier qui a tiré au monde, c'est simplement l'échange de tir. Son caméra qui l'emmène journaliste ça. Moi pas crois que caméra ça paraît yon cible aussi pour policier a choisi tirer journaliste là dans cœur. Mais kou li a là parent journaliste ça madame ni petite li tout zan mille et la presse haïtienne si nous pas rentrer dans hypocrisie m'pense nous tout en deuil simplement erreur journaliste ça fait et parce qu'elle choisit vin faire couverture événement qui a déroulé dans le pays d'Haïti m'a croire que li méritait mourir pour ça. Policiers condamné journalistes réseaux sociaux. Yo dit journalistes réseaux sociaux yo focus sur simplement à travers manifestation. M'a dit non. Nous toujours bay information, nous toujours bay image les manifestants yo a crasé machine. Les manifestants yo a boulé caoutchouc. Les manifestants yo a boulé caoutchouc. Les a metté du feu. Nous bay tout image sa yo. Les policiers yo a tiré gaz lacrymogène, a craser manifestation, a tiré en l'air, a tiré bal caoutchouc. Nous toujours bay tout image sa yo. Et pour nous ouais, réseaux sociaux yo pas gagné image au choix. Tout ça tombé. Plateforme organisation travail en indication faute réclamer ajustement salarial pour secteur éducation. Coordonnateur général là Léonel Pierre souligne pour dire problème la vie chère avec ajustement gaz l'état la cause moun nan secteur ça a souffri dans ce sens nous réclamer ajustement salarial pour moun nan secteur éducation. Dans cadre d'une conférence pour la presse jeudi 24 février 2022 coordonnateur général là tenait micro Franklin Pierre et puis Franz Picard pour Allen TV. C'est un cahier de charge que la plateforme haïtienne des organisations de travail en éducation déposée par devant le ministère de l'Éducation nationale en date du 21 février 2022. Et la plateforme aujourd'hui a profité d'annoncer officiellement que dépôt ça a été fait et qui n'est pas fait en battable. Et c'est un cahier de charge qui gagne 27 points là-dedans. Et 27 points ça yo formulé à partir de constat de réalité du système éducatif là et qui permettent nous formuler ensemble revendication ça. Et là-dedans nous catégoriser yo en trois parties, gain des revendications à très court terme, des revendications à moyen terme et des revendications à long terme. À court terme, par exemple, nous gagnons la question de paiement et ajustement salarial travailleur qui est dans le secteur éducatif. Là. Et c'est un constat que nous faisons. Et depuis plus passé 4 mois, le gouvernement a monté le gaz dans le pays à plus que 126%. Et il n'a pas dit que les gens qui travaillent, il n'a pas dit rien. Et lui-même, il a monté le gaz là dans le souci pour ne pas subventionner. Et là, nous connaissons le gaz à son produit transversal. Et automatiquement, il a monté, il a gagné le sanitaire, l'effet multiplicateur, il a déplacé tout prix produit et ça a dégradé les conditions socio-économiques. Et nous dit que, et dans le secteur, nous exigeons un ajustement salarial qui a garanti le pouvoir d'achat. Et travailler qui en dedans secteur ça et tout le monde qui travaille bien entendu et nous avons constaté que
comportement gouvernement, c'est un comportement que nous avons dit qui m'en fout bien et un comportement irresponsable parce que les désengager par rapport à l'apport qu'il t'a permis à la population en râle, on souffle, il désengage la donne et je nous dis à la gueule tout le monde aux abois. Et nous dit que, à très court terme, nous demandons. Dossier qu'il dit, amis téléspectateurs, organisation une fois agricole dans le palais municipal de Delma, dans la date 1er mars, pour exposer plusieurs produits artisanaux en gros industrie avec un produit agricole et puis annoncer création d'un gros marché qu'a fait en ligne. Commission jeunesse dans la fédération protestante avec le réseau président jeunesse dans l'église protestante fait lancement gros fois ça dans une conférence pour la presse organisateur yo bay matin jeudi 24 février 2022 côté René Aristène avec Kevin Maurice sont présents pour Island TV. N'invite aussi un bout dans déclaration ingénieur Oulex Amondésir qui c'est coordonnateur général commission jeunesse là dans fédération protestante d'Haïti. Nous la lotia pour attirer attention grand public là sur qu'on chaîne activité commission jeunesse dans fédération protestante là en collaboration avec réseau président jeunesse dans l'église protestante a organisé 1er acte de mars qui vient là dans palais municipal d'Elma sorti 9h dans matin privé 5h après-midi. Activité ça inscrit dans le cadre de tout un programme production économique de l'entité de société là mettre sous pied pour offrir jeunesse pays une autre alternative que ça la vive là que quelqu'un là devant. C'est une fois qui va allumer projecteur sur toute qualité ressources pays là particulièrement sur ressources sur pile ressources nous gagnons dans l'église nous yo. On a exposé dans fois ça produits agricoles, produits artisanaux, produits industrie, alors agro-industrie et à gastronomie tout et à services que les entreprises de services dans la communauté a venu présenter et permettre nous rappeler fois ça a annoncé un grand projet économique qui c'est un marché en ligne cap physique tout côté ces jeunes chrétiens majorité OK cap distributeur la donne jodi à les arriver pour nous prendre destin dans main nous les arriver pour nous stopper hémorragie désespoir qui a fini avec jeunesse pays. C'est peut-être ça, nous avons invité chaque monde qui a écouté, gardé ou bien limé ça pour venir participer avec nous dans l'activité ça une façon pour encourager la production nationale. Le pays n'est pas capable encore, la jeunesse n'est pas capable encore. Donc c'est le moment pour l'Église de déployer le pouvoir pour construire espoir pour les jeunes garçons et les jeunes filles ou l'autre soleil. Pour rebâtir l'agriculture qui se nomme pays a pour bailler agriculture j'arrête dans pays a les arrivé pour l'église pour devant pour construire modèle tête ensemble pour mettre pays a sur rail changement pas qu'un sauvetage individuel dans ça que n'a vivre la rodia sauvetage là de collectif donc projet a foire là activité foire là ou bien tout programme production économique là visé un sauvetage collectif dans communauté dans pays a slogan nous d'ailleurs c'est ensemble en produit, en consommer, en créer richesse. Donc tout producteur, tout entrepreneur qui veut exposer, qui aime exposer produit, qui a contacté dans le numéro SAIO, donc c'est 46 74 55 22, 36 71 90 15. Je reprends 46 74 55 22 et 36 71 90 15. Pour finir, amis téléspectateurs, le comité des leaders évangéliques pasteur haïtien clé condamne non seulement le kidnapping pasteur Lochar Rémyan, mais demande aux dirigeants de faire un genre pour faire haïtien cadeau de morceau de sécurité. Secrétaire général de l'organisation SA, pasteur Donald Metelus, dit que la communauté n'a pas écarté la décision qu'il prend pour ne pas jamais participer à un état à faire, si toutefois il y aurait été comme ça. On suit un bout dans l'explication de Namiko correspondant nous dans Nord et Woodko Dada pour Island TV. Nous-mêmes au niveau de CLE, communauté des leaders évangéliques pasteurs haïtiens, nous apprenons ça avec beaucoup de tristesse. L'un des qu'on a gagné deux pasteurs que ravisseur était promené à aller, c'est pasteur Lou Charémy avec pasteur Guy Topier.
Donc ça a été vraiment indigné, c'est ça fait que nous pas prendre temps pour nous être capable de faire une note de presse sortie pour nous condamner bagage ça et demander au gouvernement tirer sur autorité qui était pour nous capable de faire un bagage. Faire un bagage, je veux dire garder comme on capable faire population cadeau sécurité parce que moun yo nan grand goût, moun yo nan misère, chômage là, li au niveau qui pire que pas jamais. Mais ça, ça été capable de faire pour tirer reste qui était assez sécurité, au moins bas sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas rien dans la vie nationale qui a marché. Nous avons vraiment déploré parce que nous avons kidnappé pasteur. Mais ce n'est pas seulement pasteur. Il y a un pile citoyen, un pile amis, famille que y a kidnappé tout. Et surtout des gens qui n'ont pas même des moyens pour capable de rançon que vous demandez. Donc ça c'est un bagage qui était vraiment indigné nous au niveau de la clé et nous t'ai demandé tirer cette autorité qui était pour qu'a font effort pour ça pas reproduire comme ça encore. Nous déplorer, nous pas seulement rester à déplorer, condamner, mais nous avons agi tout parce que au niveau de la clé nous avons réuni avec d'autres organisations, d'autres structures dans le secteur parce que nous faisons appel à l'unité tout dans le secteur. C'est le moment pour nous mettre tête nous ensemble pour nous capable gagner une force réelle pour nous capable agir. Par exemple, si que bagaille a continué comme ça, le secteur a capable pas dans un lien et autorité l'état yo y a organisé de nos jours et me penser que nous gagne poids si toutefois nous t'avons prononcé non. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout avec le journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez-nous rappeler tout le grand point. L'association Industrie Haïti a dit condamné avec force yo, et sa ka, violence qui fait contre l'usine parc industriel métropolitaine à Kassaka Surut Aéroport depuis les négociations avec le Conseil supérieur salaire pour adoption salaire minimum nan, jusqu'à mise en application arrêté qui fixe salaire si là d'après publication. Dans le journal officiel Le Moniteur. Association journaliste reporter Image a condamné ça qui a fait la ça qui fait sous plusieurs journalistes en un moment où tapa couvri manifestation ouvrier à mercredi 23 février 2021. Ça qui la cause un journaliste mort qui c'est Lazare Maximien avec plusieurs autres blessés. Joseph Michaud, un membre dans association indigné sur ça qui passé. Famille journaliste là qui était présent dans conférence ça mandé justice pour journaliste là parce que c'est pas à examiner mais c'est dans fonction travail policier a tiré il demande justice pour Lazare Maximien et puis faire connaître tout crime ça pas prêté. Secrétaire général Rassemblement démocrate national progressiste la RDNP Éric Jean-Baptiste voyez sympathie by famille victime tant que Jacques Faubert Etienne 4 BRH là côté l'état arrêté bras croisés pendant les déplorés et puis condamné avec énergie assassinat journaliste Lazare Maximien sans oublier le deux journalistes victimes dans la boue 12 pendant les exiger l'état haïtien mener une enquête pour justice arriver rend la fois ça parce que la presse ça ensemble pense à yoa campil l'autre qui était développé qui était branché télévision LNTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.